Le toit de notre nichoir repose sur les côtés, donc ces côtés doivent être sciés en biais. Ce que vous allez faire maintenant, pour être sûr de scier au bon endroit dans le bon sens, je vous propose de tracer le côté droite uniquement. Donc vous posez le côté droite, face intérieure contre vous. Sur ce côté, vous alignez la porte au bas de celui-ci et vous relevez la hauteur de cette porte avec un crayon. Faites une petite marque. Ensuite, vous enlevez la porte et vous reliez la petite marque au coin opposé de ce côté. Pour scier le biais, vous pouvez régler ici 10 degrés. Une fois que c'est pointé, vous pouvez abaisser le levier. Comme ça reste en place, c'est bien bloqué. Sur la machine, vous avez un petit laser que vous pouvez enclencher au moyen de ce bouton. Il y a deux traits, c'est l'épaisseur de la lame. Donc vous prenez le trait de gauche, vous l'alignez à votre tracé. Ici, pour lancer la machine, vous appuyez en même temps sur ces deux boutons assez fermement, ce qui vous permet d'enclencher la machine et de scier. Pour scier, il vous faut des pamires. Se protéger les oreilles. Vous tenez la pièce avec la main gauche et vous descendez dans cette zone-là pour commencer et ensuite vous pousserez en avant. Au tout début, regardez si vous êtes vraiment bien sur le trait. Si ce n'est pas le cas, vous poussez légèrement la pièce jusqu'à ce que vous atteigniez votre tracé. Le côté droit a maintenant été scié en biais. Vous pouvez poser ce côté droit sur le côté gauche. Vous le posez à l'extérieur du côté gauche. Et à l'aide d'un crayon, vous relevez le biais. Ensuite, vous pouvez aller le scier sur l'acier à onglet.